Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Gug et bienvenue sur Trine, épisode 5. Oh, cet endroit me donne la chair de poule. C'est un donjon. C'est ce qu'il est supposé faire. N'ayez pas peur, j'ai mon épée et ma cape. Je suis le roi du château. Je vais détruire tous mes ennemis et mener mon armée à la victoire. Nous sommes invincibles. Parfait. Le chevalier est là, le chevalier est présent. Les donjons sont censés faire peur. Les oubliettes sont censées faire peur, mais le donjon... Je sais pas. Le donjon, c'est pas la prison du château, il me semble pas. Hein. Il me semble que le donjon, ça peut même être... l'appartement royal. Je sais pas. Pour moi, le donjon, c'est juste la plus haute tour du château. Donc, ça peut aussi bien être le pire endroit comme étant... celui où t'es le mieux loti. J'arrive à grimper là. Non, il y a du mal. La voleuse pourrait aisément s'agripper ici. Je pense pas que le balancier puisse m'aider. Si, il m'aide, parfait. Après, ouais, j'avais juste cette caisse là pour servir de marche-pied. Quoique, elle est trop grosse, elle passe pas. Elle passe pas, c'est pas grave. Ça me demandait de la gymnastique, ça. Est-ce que je peux démolir quelque chose déjà avec ces trucs-là? Non. Écoute. Vu que t'es là, je vais me servir de bouclier. Ouais, deux boules sur trois, ça me va, ça me convient. T'es un peu sur le chemin quand même. Avec et voilà, esquive, double esquive, aïe, et celle-là je la suis bouffée en pleine gueule. Et en plus il y a des pics là-haut, je les ai pas vus et ça m'aurait aidé avec avec la voleuse. On va repartir bouclier en avant, hop, je récupère ça et on est bien. Ah waouh, wow, wow, je pensais pas qu'il était suffisamment proche. Très bien, très bien. J'ai la petite caisse qui est là, ça me servirait pas à grand chose. Ok. J'ai des pics là au-dessus, je sais pas si c'est important. Voilà, ça c'était un piège évident, on va éviter. Bah d'accord, écoute, il a plongé tête la première, très bien. Alors je peux agripper là, si tu veux. Voilà, moi je vais m'agripper à ce truc là. Aïe. On les tire à distance, sans compter. Aïe. Bon, écoute. La tatane, c'est encore ce qui marche le mieux. Par contre, j'ai fait tourner cette roue. Est-ce que ça m'apporte quelque chose de la faire tourner ou est-ce que... Ou est-ce que rien du tout? Non, ça me permet juste de me balancer bien. Ok. Bon bah écoute. J'ai pas de caisse à proximité. Mais comme je m'y attendais, j'ai des merveilles là-haut. J'ai pas possibilité de les atteindre. C'est frustrant. Toi déjà, bouc. Ouais, elle se relève, c'est bon. Ensuite. J'ai besoin de ça. Non, dommage. Je crois qu'il faudrait que je m'en fasse une plus petite. C'est pas vrai, j'arrivais à grimper avant, voilà. Et je me mets voilà, plus au bord possible. Est-ce que ça marche du coup? Est-ce qu'elle a suffisamment d'espace pour tenir? Oui. Voilà. Et j'ai encore une récompense par là. Tu peux pas t'agripper, non hein. Donc il faut du skill là. Parfait. Parfait. Et voilà.
Excellent. Et ce truc-là, il s'est abaissé sans aucune raison valable. J'ai pas mis les pieds dessus. Hop, 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 hop. Ouais, je me doutais que ça activerait quelque chose. Je pensais pas que ça me tomberait sur la tronche. Alors, par contre, ça pouvait dégager loin. Voilà, aussi loin que possible. Hors de ma vue. Non, ça va, je croyais que j'allais tomber dessus. Ah, waouh, 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 waouh. Je me suis bouffé quand même. Ouais, je les ai pas raclés du bon côté, hein. Alors, bouclier devant, il y a du monde là-haut. Ça va poser un problème parce qu'ils m'attendent. Est-ce que j'arrive à le taper? Ouais, j'arrive à le taper, parfait. Allez, boum! Ça remonte tout seul, parfait. Ça remonte loin, ça remonte loin. Hop. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il y a ? Aïe. À la limite, j'ai le chevalier qui est revenu, donc je peux le réinvoquer. Voilà, il est mort tout seul, parfait. Chevalier, et ensuite, point d'XP. Je peux améliorer le mage à fond. La voleuse, non. Le chevalier, je peux lui mettre une épée de feu. Écoute, l'épée enflammée, l'épée entière est en feu, elle inflige plus de dégâts que l'épée normale. Comment ça marche ? T'occupe. C'est une des potions foirées du magicien qu'ils ont imbibé dessus et ça a marché. Parfait. Effectivement, l'épée est en feu. Excellent. Alors moi, est-ce qu'avec tous ces déboires, je suis passé à côté de quelque chose? J'ai pas l'impression. Par contre, ouais, toi t'arrives à t'agripper à ça, hein. Hop, 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 hop. C'est passé. Me demandez pas comment, mais c'est passé. Hop. Parfait. Je sais pas comment ça s'est passé, mais je me suis pas fait mal. Par contre, est-ce que j'ai moyen de les planter dans quelque chose, histoire que ça ne pose pas de problème? J'ai moyen de les rentrer de nouveau à l'endroit où c'était, mais... Ah. Écoute, j'ai réussi à le coincer. Aouh. Je me suis fait ça tout seul comme un grand. Hop, 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 hop. Je pensais que ça tiendrait. Finalement, tout va bien. Ok. Absolument aucun intérêt à faire ça. Si ce n'est pour me donner accès à ceci là-haut. Ouais. Alors attends deux secondes. Ça peut aller plus loin. Non, c'est bon. Petite boîte. Voilà, une petite boîte. Hop là, ça c'est fait. Je vais quand même vérifier. Non, je vais éviter de faire gaffe parce que j'ai failli foncer sur ces boules de pointe. J'arrête pas de faire ça depuis le début de l'épisode. Ça vient que je me calme. Alors, j'ai du bonus en bas, ouais. Allons le chercher. Voilà, merci. Et par là. Bien couper le checkpoint, c'est pas grave.
Parce qu'avec la gravité, ça marche. Plus haut. Plus haut. Oh. C'est pas vrai. Voilà, je l'ai eu. J'ai un autre de planquer, c'est bon. Ouïs. Parfait. Et ça, ça marche. De l'autre sens, de l'autre sens, non. Voilà. Quand même que je prenne le checkpoint. Et que je tatane les morts vivants qui sont sur le chemin. Ah waouh 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 waouh. Bon bah parfait, ils sont morts tous les deux tout seuls. Et il y en a un qui a dû mourir loin là-bas et qui vient de me donner son XP. Parfait. Maintenant je peux progresser. Quoique. Rien d'autre qui est apparu là en bas pendant que je regardais pas. Pendant que j'étais occupé à faire autre chose. Non, rien qui a envie d'apparaître. Allez. Avant d'aller plus loin. C'est un truc couillon mais qu'on aurait dû vérifier ensemble. Il y a là-haut des petites choses. Des petites choses intéressantes. Hop. Les 3 points d'XP qui, comme dans les cavernes de cristal, m'avaient manqué à la fin de l'épisode. Voilà. Maintenant que c'est fait, la suite de votre feuilleton. C'est un piège. Ces pics-là, c'est juste un énorme piège. On va essayer de le traîner le plus lentement possible, le plus délicatement, pour que la potion reste dessus. Allez, allez, allez. Voilà. Et puis, bon, bah écoute, laisse tomber. Hein. On la récupérera en bas. Voilà. Avant qu'elle aille trop bas. Hop, hop, hop. Ouais, ça va demander de l'agilité, un minimum. De l'agilité et le bon timing. Hop là, parfait. Non, madame. Là. Voilà, parfait. Hop. Ce truc-là, il va m'être utile, j'imagine. Pas contre ce mur. Pas contre le sol. Il faudra faire quelque chose avec. On va le garder précieusement. Tac. Je vois le mur. Ça, c'est la suite. Le mur en question, il est là. Voilà, parfait. Et le petit trésor, cristal de vie enchanté. C'est très bien ça, ça va compléter l'autre cristal que tu as déjà. Augmente l'effet de chaque fiole de mana récupérée, et ça c'est augmente l'effet de chaque potion récupérée sur l'ennemi aussi. Donc potion de vie récupérée sur l'ennemi, hein, de 5%. Est-ce que ça je le donnerais pas plutôt à ce bonhomme là, vu qu'il tatane sans arrêt. Ça serait mieux, hein. Après, les potions que je récupère, j'ai l'impression que si les barres sont pleines, chez la personne qui les récupère, ça remplit les barres des autres. C'est un truc que j'avais remarqué. Je sais pas si c'est vrai, mais du coup ça va influencer quand même la chose. C'est-à-dire que lui, si le chevalier récupère une potion de mana, ou la voleuse d'ailleurs, ça remontera mieux sa barre. Même si c'est pas lui qui récupère directement la potion. Pareil pour ça. Donc ouais. Je maintiens que elle régénère sa vie quand elle n'est pas active, quand les monstres sont vaincus. Mais lui, il a besoin de récupérer plus de PV. J'ai besoin qu'il soit tout le temps full life, ce gars-là. C'est le tank. C'est le tank, et on va le sortir d'ailleurs. C'est vrai que ouais, pour ces trucs là, je peux y aller avec le bouclier tout simplement. Ça peut régler le problème. Aïe. Je l'ai bourré à l'infini.
ouais, c'est censé. Le bouclier est censé m'aider dans ce genre de situation. Je suis allé beaucoup trop bas, beaucoup trop vite. Au secours, dis-moi que ton grappin peut m'aider. Flûte. Attends. Revenir au point de contrôle. Ouais, voilà. J'ai moyen de gruger comme ça si jamais je me vautre parce que je suis tombé trop vite. Parce que j'ai failli prendre le point de contrôle. Allez. Allez, pousse. Oh, c'est pas vrai ça. Bon, là par contre, j'ai une planche et normalement... Ah, non, j'allais dire normalement ça va se planter dedans, mais même pas. Il faut juste que je sois suffisamment loin. On le place au plus haut et on esquive. Aïe! Ce qui m'embête, c'est que... Enfin, déjà, il y a une plaque pression et ensuite, ce truc-là... Pourquoi... Je peux la faire assez grande? Non. Je peux pas la faire assez grande, mais tout juste. Il faut que je me place suffisamment loin. Cette boule de pointe ne me caresse pas le sommet du crâne. Bon, écoute, c'est pas grave. Je sais pas s'il y a autre chose derrière. D'accord. Tout simplement. Hop. Voilà, parce qu'il y a d'autres choses derrière, effectivement. Ça déjà, du coup, tu peux le virer. Il n'y a plus besoin. Ça. Ouais, je peux le balancer, écoute. Alors, par contre, aïe. Voilà, mon souci, c'était ça. Déjà, je vais m'offrir le point de contrôle. Voilà. C'est pas quelque chose que je peux escalader, ça, par contre. Alors attends, j'ai besoin de me faire de la place parce qu'il commence à y avoir beaucoup de choses dans l'eau. Ça. Aïe. Punaise, le dégât pendant la cinématique, s'il vous plaît. Chargé. Ensuite cette sale bête. Voilà, si je pouvais l'éclater avec un joli petit tir, ça m'arrangerait. Ensuite cette planche. Est-ce que j'ai moyen de... Et flûte, je l'ai perdu. Mais normalement j'ai moyen de ficher quelque chose là-dedans dans ces piques. Ça a le bon angle. Et je peux les planter, hein. Ouais, voilà, je peux la planter dedans. Voilà. Comme ça, je peux récupérer ça. J'ai pas la moindre idée de là où ça mène. Le levier est censé m'aider à avancer. On va... Voilà, je prépare le terrain. Elle peut s'agripper à... Non, elle peut pas s'agripper à ça. Et ça part profond, ouais. Écoute, on va actionner ça. Je sais pas ce que c'est censé faire. Ok, c'est censé me donner accès aux autres. Très très bien. Et du coup, par là... J'ai ma boîte qui gêne. J'ai plein de boîtes qui gênent. Je suis assez fort pour les pousser, ça va. Mais ouais, j'ai fait tomber pas mal de déchets là-dedans. C'est pas très écolo. Mais ouais, typiquement la boîte en bois, là... Je devrais réussir à pousser... Malgré la présence de celle-ci. Je devrais réussir, mais... Non, ça coince un peu quand même.
mais elle est censée m'aider cette boîte en bois à remonter avec la voleuse au niveau du levier. Bien. J'ai le droit d'aller là-dedans? Ouais, j'ai le droit. Il n'y a absolument rien à y faire, n'est-ce pas? Absolument que dalle. Hop. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. Par là, je peux y aller, c'est bon. Ça m'a l'air d'être une salle de boss. Une salle de boss, ouais. Non, mon gars. Look. Loupé. Patate. Entre les jambes. Et non, mon gars. T'es trop grand. Personne n'a dit que la taille était un avantage. Merci pour l'XP au passage. Look. Et voilà. Aouh. Je sais pas comment il a fait pour me toucher. La dernière fois, non. Voilà, j'ai réussi à le parer, c'est bien. Look. Allez, une petite dernière. Une dernière danse. Et voilà. Impeccable. Et son épée, elle allait se perdre là-haut. Parce qu'on le tape juste beaucoup trop fort. Voilà. Et là, la voleuse, elle a de quoi s'amuser dans cette pièce-là. Par rapport à l'autre salle du boss. On avait affronté un bonhomme comme ça. Boum. Et boum. Voilà. Alors ça, j'ai moyen de le casser normalement. Ça pourrait utiliser une flèche de feu, mais ça pourrait aussi requérir simplement un coup d'épée. Mais ça ne cache rien de plus. Tout va bien. Ça, ça vient de s'affaisser, sans aucune raison valable. Alors, je m'assure que tout le monde soit mid-life minimum. D'accord, ça s'abaisse en cadence. Pas pourquoi. Là. D'accord, ça c'est un passage secret. Deux secondes les gars, je viens. Voilà. Ouais, ça je sais pas à quoi ça pourrait me servir, mais c'est là. Et là on a un petit passage secret. Passage secret de la violence. Avec des flammes de partout. Ah, ouais, forcément. Bon, il va falloir être un poil plus malin que ça, quand même. Déjà, une planche. Ensuite, si je pouvais avoir une autre planche, qui va venir se caler là-dedans. Voilà. Ensuite, un petit cube ici, calé contre. Un petit cube là. Aller contre. Voilà. Histoire de se servir de son cerveau plutôt que d'y aller en brute force en pensant être invincible avec le bouclier. Allez. Des bottes. Excellent. La voleuse sera contente. Mais le chevalier, on va d'abord le ramener à la vie quand même. Constate un petit peu pourquoi il est mort. Après, l'équipement de protection, je pourrais le mettre sur le chevalier pour que justement, dans ce genre de situation un petit peu... où je suis en train de faire un petit peu le débile, il soit un petit peu moins dans la panade. Punaise, mais... vous vous synchronisez mieux que ça, les gars. Hop, hop, hop. Voilà. C'est mieux. Au passage, par là... Non, y a rien à agripper. Hein. Faut quand même que je le vérifie, faut quand même que je m'en assure. Alors, en attendant la bonne boucle,
Je pourrais quand même lui mettre un niveau 3, soit au niveau des planches, soit au niveau des cubes, hein, pour qu'il puisse en faire coexister 4 à chaque fois. Mais est-ce que les cubes ou plutôt les planches? Plutôt les planches, hein. Parce que les planches, en fonction de la taille, ça peut valoir un cube. Selon comment on s'en sert. Voilà. Et avant que j'oublie, ouais, les bottes. Réduit les dégâts infligés par les pièges et les piques. Les pièges et les piques, ouais, les pièges et les piques, c'est surtout la voleuse qui va faire ça. Le chevalier peut y avoir affaire aussi. Mais plutôt la voleuse. Parce que la voleuse, c'est avec elle que je me balance dans tous les sens. Et si jamais elle se mange des piques dans la tronche, ce serait bien qu'elle perde pas toute sa vie dessus d'un coup. Flûte. Voilà, typiquement ce genre de situation là où j'ai failli me faire avoir. Allez, et flûte. C'est fou comme j'ai du mal à grimper cet escalier. Hein. C'est pas un escalier qui est dur, pourtant. C'est moi qui suis très mauvais. Voilà, on y arrive. Bam. Juste comme ça pour le plaisir. L'étendard du roi. Le symbole ressemble à l'artefact que nous recherchons. Que sont ces artefacts, après tout? Par contre, moi je suis inquiet. Je suis inquiet, ouais, j'ai raison d'être inquiet. Il me manque 3 points d'XP, encore. Misère de misère de misère, où est-ce qu'ils peuvent être? Ça m'enquiquine à chaque fois. Là-haut, je sens qu'il y a un rebord, mais est-ce que c'est juste un bête mûr? Ouais. Ça a l'air d'être juste un bête mûr. Et par là-haut, non, par là-haut, il n'y avait rien. Donc à mon avis, c'est loin en arrière. En arrière et j'ai même pas la possibilité de revenir en arrière parce que la porte s'est fermée derrière moi. Donc il faudra que je refasse le niveau et que je recherche ça. Et ben ce sera comme la dernière fois du coup. Comme dans les cavernes de cristal. Hop. Je vais le faire maintenant pour que vous puissiez la voir incrustée là où ça va bien. Parce que là, pareil, c'est comme pour les cavernes de cristal, c'est une pièce entière où j'ai pas été et du coup il me manque les fioles d'XP. Le deuxième artefact, celui de l'esprit et de la puissance, avait protégé le château et donné de la force au roi et à ses hommes. Mais l'artefact était également protégé par le puissant sort et seuls les esprits aux intentions pures pouvaient le toucher. Au cours de plusieurs décennies, beaucoup de rois et de chevaliers avaient essayé d'approcher l'artefact, sans succès. La légende disait qu'un jour, un héros à l'esprit et aux intentions pures viendrait s'emparer de l'artefact. Mais tandis que nos héros franchissaient la porte du château, ils réalisèrent que les morts vivants avaient tout pillé. Cet endroit si magnifique était devenu terrifiant. Ouais. Eh ben, le trône du roi perdu. Ce sera pour la prochaine fois. Grosse baston en prévision. Ça va plaire aux chevaliers. Et moi, ça va me plaire aussi. On va pouvoir tataner pas mal de squelettes. Il va y avoir des gerbes d'os absolument partout. Ça va être fantastique. Allez, à tchao, bonsoir.